Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire cette vidéo concernant ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, quelque chose qui concerne l'artiste malien Sidiki Diabaté et une de nos sœurs guinéennes pour la reconnaître. Tout le monde dit Mamacita. Donc, c'est une jeune fille guinéenne aujourd'hui qui a comme porté plainte à Sidiki Diabaté, contre Sidiki Diabaté. Donc, je voulais vraiment pas faire de vidéos sur ça, vraiment. Je voulais pas faire de vidéos sur ça. OK? Avant de commencer la vidéo, je vais me présenter parce que c'est une vidéo qui concerne l'Afrique probablement au complet. Ceux qui me connaissent pas, mon nom c'est Madik Sans Frontières. Je suis un jeune, un leader d'opinion guinéen aussi. Donc, qui a fait une bonne partie de sa vie au Mali. Et il y a beaucoup qui voient Sidiki Diabaté. Peu de personnes connaissent Sidiki Diabaté. Donc, je vous rassure aussi que je connais très bien Sidiki Diabaté. Je connais très bien la famille de Sidiki Diabaté. Et les Maliens vont regarder cette vidéo. Sidiki Diabaté, c'est un voisin. Sidiki Diabaté, c'est un jeune frère. Sidiki Diabaté, des pères, toute la famille. Je connais toute la famille. Nous sommes des habitants de Tomikorobougou. Ça, c'est au Mali, Bamako. Nous sommes des voisins. Et la victime, elle est guinéenne. Je ne la connais pas personnellement. Elle est guinéenne. J'ai pris mon temps d'appeler toutes les personnes que je peux appeler au Mali pour avoir vraiment les vraies versions de l'histoire et ce qui s'est passé entre Sidiki et cette fille. Aujourd'hui, je ne peux pas rester sans parler. Je ne voulais pas parler. Je ne voulais pas me prononcer de cette situation. Ceux qui me connaissent, la dernière manifestation en Europe, la violence contre les femmes, je l'ai participé. Donc, violation contre les femmes partout dans le monde, partout où on m'a invité, je suis allé, je me suis manifesté et je vais toujours être contre la violation contre les femmes. Et ce que je vais dire dans cette vidéo, je vais m'adresser à notre sœur, Mamacita. Je vais m'adresser aux Guinéens qui ont fait des vidéos sans chercher à savoir, aux Guinéens qui s'en prennent aussi à Sidiki, insulter Sidiki ou quoi que ce soit, je vais m'adresser à vous. Les ennemis de Sidiki aussi, partout dans le monde, je vais m'adresser à vous. Cette vidéo est très importante. Les abonnés, s'il vous plaît, partagez au maximum possible. L'affaire de Sidiki et Mamacita, il y a des moments, on a eu l'affirmation, la confirmation. Sidiki a frappé cette fille. L'histoire s'est passée fin 2016, début 2017. Est-ce que vous comprenez? Et le message aujourd'hui, ce qui me pousse à sortir, il y a beaucoup d'ennemis de Sidiki Diabaté aujourd'hui qui profitent de l'occasion de faire leur règlement de compte contre Sidiki. C'est ça qui m'interpelle. Il y a beaucoup d'ennemis de Sidiki aujourd'hui qui veulent croire au monde entier que Sidiki a fait un meurtre. Il y a des ennemis de Sidiki qui veulent encore pointer du doigt aux jeunes et salir, gâter la carrière de Sidiki Diabaté. Je ne peux pas rester sans parler. Je ne peux pas accepter ça. Mamacita, tu es guinéenne. Je suis guinéen.
quand Sidiki t'a frappé, je ne suis pas d'accord, je ne serai jamais d'accord. Mamacita, aujourd'hui, les gens t'applaudissent. Aujourd'hui, tout le monde te félicite. Aujourd'hui, les ennemis de Sidiki te disent tout ce que tu veux entendre, Mamacita. Cette vidéo, tu vas l'écouter. Je suis sûr et certain. Tu vas l'écouter. Là où je parle aujourd'hui, j'ai tenté de parler à une de tes tantes qui te pousse aujourd'hui de faire du mal. Ils veulent écouter personne. Je prends les Guinéens en témoin. Je prends les Guinéens en témoin. Et je dis aux Guinéens, Mamacita n'a pas porté plainte parce qu'elle a été frappée. Et l'événement s'est passé il y a des années, Mamacita n'a pas porté plainte. Mamacita a une tante que probablement on va finir par l'afficher sur les réseaux sociaux, qui est au Mali, à Bamako, Bako Dikroni, qui à un moment donné a été à déménager à Asseyi, au Mali. Écoutez-moi très bien. Elle a passé son temps à harceler Sidiki Diabaté, à réclamer de l'argent à Sidiki Diabaté. Soi-disant, tu as frappé ma nièce. Tu sors avec ma nièce. Si tu ne me donnes pas l'argent, je vais dire au monde entier, si tu ne me donnes pas l'argent, on va faire ci, on va faire ça. Les Guinéens, je vais vous dire une chose. J'ai fait 10 ans de ma vie au Mali, à Bamako, quartier Ntomikorobougou. Nos sœurs, aujourd'hui, tout le monde vous défend. Qu'on vous frappe, qu'on vous maltraite, qu'on vous insulte. Mais les femmes, les filles guinéennes, vous le savez. Moi, Madik, je le sais. Vous êtes nombreuses au Mali, à Bamako. Vous refusez de travailler. Vous refusez d'étudier. Vous refusez de faire quelque chose pour vous. Vous vivez sous l'ombre des personnes influentes, sous l'ombre des artistes. J'en connais beaucoup de filles. Aujourd'hui, je ne vais pas mentionner des noms. Je ne vais pas mentionner des noms. Ce n'est pas la première fois qu'on affronte cette situation. C'est parce que c'est Sidiki Diabaté, ça a pris de l'ampleur. Mamacita, je vais te dire une chose. Tu as fait des années au Mali. Sidiki t'a pris un logement. Sidiki t'a payé un logement. À un moment donné, tu as eu un problème avec Sidiki. Le logement que Sidiki t'a payé, t'a payé. Le téléphone que Sidiki t'a donné, tu invitais d'autres gars à dormir dans l'appartement que Sidiki t'a acheté, t'a payé pour toi. Tu communiquais avec le téléphone que Sidiki t'avait acheté avec un autre homme. Tu profitais aussi à chaque voyage de Sidiki Diabaté, tu invitais les hommes chez toi. Mais je vais vous demander, en âme et conscience, quel homme aujourd'hui va accepter, tu prends une femme, tu nourris une femme, tu fais tout pour elle. Et elle vient, quand tu n'es pas là, elle amène un gars chez toi, la maison que tu payes, les nourritures que tu la donnes, un autre gars. Mais c'est de dire aux filles, si vous n'aimez pas quelqu'un, laissez la personne tranquille. Allez vivre avec d'autres personnes. Et je vais profiter de ça de dire, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Leurs maris sont en Occident. Ils prennent leur femme en charge et leur femme prend l'argent, ils donnent à leur copain. Leur femme prend l'argent, ils donnent à leur petit ami. Mais si les gars vous frappent, mais en quelque part, ils ont raison. Si vous n'aimez pas les gars, laissez les gars. Si vous n'aimez pas les gars, laissez-les faire leur vie. Mamacita, aujourd'hui, les ennemis de Sidiki t'encourage. Les ennemis de Sidiki t'applaudissent. Moi, je suis sûr et certain, je vais parler à Sidiki. Pour une dernière fois, je vais parler à Sidiki. Encore,
dire aux Guinéens et Guinéennes, ne supportons pas quelqu'un parce qu'elle est guinéenne. Ne supportons pas quelqu'un parce qu'on connaît la personne. Ne supportons pas. Nous devons faire l'analyse d'abord. Ce qui s'est passé. Je ne suis pas là pour dire que Sidiki a raison en frappant une femme. Je ne suis pas là pour dire que je vais supporter Sidiki parce qu'elle a frappé une femme. Les circonstances aussi qui font de nous qui nous sommes, c'est de dire aujourd'hui, chers compatriotes guinéens et guinéennes, la fille aujourd'hui, ce qui se passe à Sidiki, c'est même pas la fille qui veut. La fille a affirmé aussi que les photos sur les réseaux sociaux, c'est pas elle qui a mis les photos sur les réseaux sociaux. Elle n'avait pas l'intention de mettre les photos sur les réseaux sociaux. Chers compatriotes, les ennemis de Sidiki Diabaté, je vais commencer par la Côte d'Ivoire. Et je vais m'adresser à une personne de la Côte d'Ivoire qui est en train encore de venimer ça, qui a même tenté de rentrer en contact avec Mamacita. Je vais m'adresser à la personne en direct parce qu'il y a des Ivoiriens qui nous suivent. L'artiste ivoirien Debordo Lokumfa, je vais m'adresser à toi aujourd'hui pour la première fois. Debordo, ça fait très longtemps que je te suis, Debordo. Ça fait très longtemps. C'est aujourd'hui que Debordo, j'ai vu que tu es inhumain, Debordo. C'est aujourd'hui que je me rends compte que tu es un être humain indigne, un être humain méchant. Tu ne fais que te réjouir du malheur des autres. Debordo Lokumfa. Toi, c'est quand les autres ont le malheur, tu sors, tu te réjouis. C'est quand les autres veulent tomber, tu sors pour aider leurs ennemis à les faire tomber. Debordo, ton histoire avec Fedige Arafat, la haine que tu as contre Sidiki Diabaté, je te le jure, Debordo, tu ne peux pas profiter de cette situation pour faire tomber Sidiki Diabaté de Bordeaux. Debordo, tu n'as pas honte, Debordo. Debordo, tu n'es pas un humain, Debordo. Tu es un lâche, Debordo. Si tu étais un homme aujourd'hui, un artiste africain, tu ne dois pas salir Sidiki Diabaté. Tu dois chanter pour dépasser Sidiki Diabaté. Tu dois faire des albums pour dépasser Sidiki Diabaté. Tu dois aller faire des concerts au Mali ou partout en Afrique pour dépasser Sidiki Diabaté. Tu dois prendre des trophées pour dépasser Sidiki Diabaté. Mais toi, Debordo, aujourd'hui, qui profites d'une situation comme ça pour rabaisser Sidiki Diabaté, pour faire tomber Sidiki Diabaté, en soi-disant que Sidiki Diabaté a frappé une femme, Debordo Lokumfa. Toi, tu ne peux pas venir dire devant moi que tu n'as jamais frappé, tu n'as jamais levé la main sur une femme. Tu ne peux pas venir me dire. Je condamne ce que Sidiki Diabaté a fait. Mais je ne peux pas supporter non plus les ennemis de Sidiki Diabaté, faire tomber Sidiki Diabaté. Non. Et cette fois-ci, on va faire ça, ce combat-là encore. Même si aujourd'hui, le jeune ne peut pas parler, même si aujourd'hui, tout le monde applaudit, il y a beaucoup de problèmes. On a eu la même chose avec une autre Guinéenne, Nafissatou. Je ne vais pas mélanger l'histoire. C'est juste un exemple. Aujourd'hui, elle regrette. Aujourd'hui, elle regrette. Mamacita, tu vas regretter, Mamacita. Tu vas regretter. Quoi qu'il en soit, tu as passé des moments avec Sidiki Diabaté où tout allait bien. Tu as passé des moments avec Sidiki Diabaté. Mais les personnes aujourd'hui qui te poussent pour l'argent, Mamacita, peu importe l'argent que tu vas gagner dans cette histoire, peu importe le matériel qu'on va te donner dans cette histoire, tu vas finir par manger. Mais le regret va rester toute ta vie, Mamacita. Toute ta vie, Mamacita. Parce que tu le fais pas parce que Sidiki t'a frappé. Tu le fais pour satisfaire les ennemis de Sidiki Diabaté. Tu le fais pour que ta tante soit contente. Tu le fais aujourd'hui parce que ceux qui sont autour de toi aujourd'hui sont tous contre Sidiki Diabaté. Sidiki n'est pas parfait. Sidiki est un jeune qui est dans les vingtaines. Sidiki va faire des erreurs. Beaucoup de personnes ont fait des erreurs. Mais personne, ni une femme ou un gars, peut me dire qu'en Afrique,
C'est la première fois qu'un artiste frappe une fille. Que c'est la première fois qu'un Africain frappe une fille. Combien d'Africains frappent aujourd'hui? Je fais mon direct là, il y a des Africains qui frappent leurs femmes. Je fais mon direct là. Je vais prendre l'exemple au Canada. Au Canada, je vais vous dire, au Canada, il y a des femmes battues. Au Canada, il y a des femmes battues tous les jours. Il y a des femmes maltraitées tous les jours. Au Canada, l'un des pays le plus développé au monde. En France, il y a des femmes battues. Il y a des femmes maltraitées. Mais aujourd'hui, on ne peut pas prendre le cas de Sidiki Diabaté comme c'était une affaire d'État. On ne peut pas prendre comme Sidiki Diabaté a assassiné un être humain. Et débordons le Koumfa pour finir avec toi. Débordons le Koumfa. Je vais te dire, Sidiki va se relever dans ça. Il doit payer le prix d'avoir maltraité une femme. Mais tout le monde va dire ce qu'ils veulent. Tout le monde va faire ce qu'ils peuvent faire. Mais après, le bon Dieu va parler. Après, le bon Dieu va faire ce qu'il est capable de faire, de Bordeaux. Tu ne peux pas te réjouir tout le temps de Bordeaux. Et c'est de te dire, de Bordeaux, le Koumfa, tu vas mourir comme ça dans ta vie. Tu as eu l'incapacité de faire carrière dans ta musique. Tu as eu l'incapacité d'affronter Sidiki Diabaté dans la musique. Tu as eu l'incapacité de faire face à Sidiki. Et tu es contre Sidiki. Une seule chose, parce que Sidiki était proche de Didier Arafat. Je ne voulais même pas mentionner le nom de Didier Arafat dans cette vidéo. Paix à son âme, wallahi billahi. C'est inconcevable qu'un artiste comme toi de Bordeaux aujourd'hui, qui représente un pays aujourd'hui, on n'entend plus parler des albums de De Bordeaux. On n'entend plus parler des concerts de De Bordeaux. Mon frère, c'est bon de faire des buzz. C'est bon de faire. C'est bon de divertir. Mais mon frère, si toi, c'est les malheurs des autres qui te font vivre, mon frère, De Bordeaux va te faire foutre. C'est moi qui te dis De Bordeaux. Va te faire voir De Bordeaux. Et le petit, il va pas tomber De Bordeaux. Celui qui va pas tomber De Bordeaux. Nous, les Guinéens, oui, c'est notre sœur qui a été maltraitée. De Bordeaux, il y a combien d'Ivoiriennes qui sont maltraitées en Côte d'Ivoire? Il y a combien de filles Ivoiriennes qui sont maltraitées en Côte d'Ivoire de Bordeaux? Tu es flanqué dans ton cul, tu n'arrives pas à parler de ça sur les réseaux sociaux. Il y a combien d'artistes qui frappent leurs femmes Ivoiriennes en Côte d'Ivoire de Bordeaux? Un incapable comme toi de Bordeaux, qui n'a même pas honte, qui n'a même pas honte. Un petit qui vient de rentrer dans la musique, qui t'a dépassé dans la vie, qui t'a dépassé, il n'est pas contre toi, il a été ami avec Didier Arafat. Hein, mon frère, tu te sers de ça aujourd'hui, tu veux enflammer ça, tu veux tirer la queue du diable pour faire tomber Sidiki. Hein, de Bordeaux, wallahi billahi, tu n'es pas mieux que Sidiki. Tu ne peux pas me dire que tu traites mieux les femmes que Sidiki. Mon frère, il y a des choses qui se passent dans la vie. Ce n'est pas tout qui s'expose sur les réseaux sociaux de Bordeaux. Tu es pire que Sidiki Diabaté. Ce que tu veux de Sidiki Diabaté, le bon Dieu acceptera jamais de Bordeaux. Je vais finir avec de Bordeaux. Nos frères guinéens, je vous comprends. Ça fait mal de voir nos sœurs dans ces états. Ça fait mal d'entendre que c'est une sœur guinéenne. Ça fait mal de voir une personne être maltraitée comme ça. Mais les Guinéens, ça devrait faire mal aux Guinéens encore. Chaque fois, c'est des problèmes entre les filles et hommes de dire aussi c'est une femme guinéenne. Les Guinéens doivent penser encore pourquoi tout le temps ça tombe sur les filles guinéennes la plupart du temps. Est-ce que c'est au hasard? Mais non! Je ne vais pas accuser toutes les filles guinéennes. Je ne vais pas mettre toutes les filles guinéennes dans le même bateau. L'assassinat en Europe, la majorité, il y a des filles guinéennes qui sont dedans. L'assassinat en Amérique, la majorité, les filles guinéennes sont dedans. En Afrique aussi, la majorité, les filles guinéennes sont dedans. Mais posez-vous des questions, pourquoi les filles guinéennes? J'ai vu de mon propre yeux. J'ai vu au Mali, Bamako, nos sœurs qui viennent,
qui refusent de faire le commerce, qui refusent de travailler, qui refusent de sortir du travail, qui aimeraient vivre, se faire vivre par les hommes au Mali. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Cette vidéo-là va faire mal à beaucoup de femmes. Je n'en disconviens pas. Je suis d'accord avec vous. Il y a des personnes aussi dans la vie qui cherchent les problèmes. Nous sommes dans un monde aujourd'hui. Si nous devons dire la vérité, nous devons toucher à tous les coins. Nous devons toucher à tous les coins. Nous ne devons pas accepter aussi que les ennemis enflamment ce qui se passe aujourd'hui contre Sidiki Diabaté. Moi, je ne vais pas l'accepter. Et jamais je vais dire à Sidiki Diabaté, tu as bien fait de frapper la fille. Jamais je vais supporter Sidiki Diabaté parce qu'il a frappé la fille. Mais jamais, jamais je vais laisser Sidiki Diabaté parce que les ennemis de Sidiki se servent de l'histoire pour lui faire tomber. Jamais je vais laisser les ennemis de Sidiki Diabaté l'affaiblir, le faire tomber, lui maltraiter, briser sa carrière. En profitant de l'occasion, chers Guinéens, sœurs Guinéennes, et aujourd'hui, chacun doit conseiller nos sœurs, nos cousines, nos tantes. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, c'est exposé sur les réseaux sociaux. Mais l'événement s'est passé. Il y a des moments où l'événement s'est passé. Ça fait 2-3 ans. C'est pas sorti. Et les photos, aussitôt que les photos sont tombées dans les mains des ennemis de Sidiki, les photos se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Arrêtons de profiter des occasions, détruire les uns et des autres. Nous sommes là pour un petit moment. Nous allons tous tomber, tôt ou tard. Nous allons tous mourir, tôt ou tard. Nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir. Et il faut que cela arrête. Il faut que cela arrête. Les ennemis sont là, ils sont prêts. Aussitôt que tu as un petit problème, ils sortent. Ils aggravent le problème. Et on va voir la suite. On va voir la suite. Chers Guinéens et Guinéennes, chers compatriotes maliens et maliennes, aujourd'hui, Sidiki Diabaté a eu tort de frapper une femme. Sidiki Diabaté va demander encore pardon aux femmes. Les hommes conscients aussi vont demander pardon à la fille qui a été frappée ou aux femmes qui ont été violentées. Et moi, je vais dire aussi aux femmes, arrêtez de suivre les hommes si vous ne les aimez pas. Arrêtez de prendre l'argent des hommes. Si vous n'aimez pas les hommes, laissez les hommes faire leur vie. Arrêtez de dire aux hommes de vous faire vivre, de payer vos appartements, vos loyers, vos voitures, vos vêtements, si vous n'aimez pas ces hommes. C'est très important. C'est très important. C'est ça l'inconvénient. C'est ça l'inconvénient. Si ça doit cesser, nous devons parler aux hommes et aux femmes. Chers abonnés, c'était mon petit mot à dire. Et si ça continue, nous allons venir avec d'autres dossiers, d'autres choses aussi, et pour dire aux ennemis de Sidiki, on ne laissera pas Sidiki tomber. Les ennemis de Sidiki, écartez-vous, laissez entre Sidiki et Mamacita. Quand ils se sont rencontrés, personne n'était là-bas. Ce qui crie aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quand Sidiki et Mamacita se sont rencontrés, on n'a vu personne sur les réseaux sociaux pour parler. Quand Sidiki a pris l'appartement à Mamacita, personne n'était là. Vous qui criez sur les réseaux sociaux, qui était là? Quand Sidiki a acheté des portables, vie, voiture et tout pour la fille, est-ce que vous étiez là? C'est facile pour vous aujourd'hui de crier sur les réseaux sociaux, de s'attaquer à quelqu'un que vous ne connaissez pas, de faire tomber quelqu'un parce qu'il vous a dépassé. Que Dieu bénisse l'Afrique et ses enfants. Tant que cela n'arrête pas en Afrique, l'Afrique ne va jamais avancer. L'ennemi de l'Afrique, c'est vous les Africains.